إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن شاء الله تعالى dernier cours de ce séminaire dans lequel on va traiter de diverses questions relatives au jeûne. Questions-réponses en rapport avec le jeûne. Comme on l'a fait ce matin, concernant les questions-réponses sur le manhaj, on va faire la même chose, inshallah ta'ala, en lisant les questions qui ont été soumises aux savants de cette communauté et d'expliquer et de traduire les réponses qui ont été données. On n'a pas beaucoup de temps, donc inshallah ta'ala, je vais essayer de traduire directement les questions et les réponses. Première question qui a été posée à la Lajna Da'ima, au comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Ma hiya at-tariqatu allati yuthbatu biha kullu shahrin qamari. Quelle est la méthode par laquelle l'on établit l'entrée d'un mois lunaire? La réponse est que de nombreux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent prouver que le croissant lunaire, lorsqu'une personne digne de confiance, lorsqu'une personne digne de confiance voit le croissant lunaire après le coucher du soleil, la 30e nuit de Sha'ban, ou lorsque deux personnes dignes de confiance voient le croissant lunaire la 30e nuit de Ramadan, alors dans ce cas, la vision est considérée mu'tabara, et à travers cette vision, l'on détermine le début du mois lunaire. من غير الحاجة إلى اعتبار المدة التي يمكث القمر بعد غروب الشمس. Et ceci, quelle que soit la durée pendant laquelle le croissant lunaire a été vu après le coucher de soleil. Il n'y a pas de durée minimum. Le croissant lunaire, même s'il est vu, ne serait-ce que quelques secondes. Et cela peut arriver lorsque le ciel est couvert et que, entre deux nuages, le croissant apparaît. Et 10 secondes plus tard, il disparaît derrière les nuages. Mais à ce moment précis où il est apparu, des personnes dignes de confiance l'ont vu. C'est pour ça que les savants expliquent qu'il n'y a pas de durée minimum. Certains peuvent dire: il faut au moins observer le croissant lunaire pendant tant et tant de minutes pour être persuadé que c'est bien le croissant lunaire. Il n'y a pas de min ghayr al hajati ila i'tibar al muddah allati yamkuthuha al qamar ba'd ghurub al shams. Que ce soit, et ici dans la fatwa, que ce soit 10 minutes ou moins que cela. Car rien ne vient prouver cela dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne prouve, il n'y a pas de hadith qui vienne définir et donner une durée minimum pendant laquelle le croissant doit être observé. Une autre question qui a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah,
Dans certains pays musulmans, les gens se fient à la détermination du mois lunaire, non pas par la vision, mais par des calendriers. La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné les musulmans. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة 30. Le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné les musulmans de jeûner à la vision du croissant lunaire et de rompre le jeûne à la vision du croissant lunaire. Et si ce croissant est caché par un ciel couvert et nuageux, alors les musulmans devront compléter leur mois à 30 jours. Et concernant la fatwa précédente, les savants donnent donc comme condition pour l'établissement du début du Ramadan le témoignage d'une seule personne digne de confiance. Et pour la sortie du Ramadan, ils demandent deux. Il y a des hadiths qui viennent prouver cela. Et la sagesse est que des personnes pourraient être tentées de dire que il a vu le croissant pour que le mois se finisse. Pour que le mois se finisse. Personnes peuvent être tentées concernant la fin du Ramadan et non le début. Cela fait partie des quelques sagesses que les savants citent à ce sujet. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nous sommes une communauté qui ne n'écrivons pas et qui ne comptons pas. Les mois sont de tant, tant et tant de jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un signe de sa main pour montrer que les mois sont constitués de 29 ou 30 jours. Et dans le sahih de l'imam Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûnez à sa vision et rompez à sa vision, et s'il est caché, alors compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la tasoumu hatta taraw al-hilal aw tukmilu al-iddata wa la tuftiru hatta taraw al-hilal aw tukmilu al-idda. Ne jeûnez que lorsque vous voyez le croissant lunaire ou complétez le mois de 30 jours. Et ne rompez qu'en voyant le croissant lunaire, ou alors complétez. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux, qui prouvent l'obligation de mettre en application la vision du croissant lunaire. Et si le croissant n'est pas visible, alors de compléter le mois à 30 jours. كما تدل على انه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اجماع اهل العلم على انه لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات الاهله وهو الحق الذي لا ريب فيه. Il dit, الشيخ ابن باز رحمه الله: de même que les textes viennent prouver qu'il est interdit de se baser sur les calculs astronomiques pour établir le début du mois lunaire. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a même cité l'unanimité des gens de science qu'il est interdit de se baser sur les calculs astronomiques afin de définir l'entrée du mois lunaire.
سؤال هل يجوز صيام 28 يوما فقط من شهر رمضان؟ Est-ce qu'il est autorisé de jeûner 28 jours seulement du mois du Ramadan? La réponse, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. Il a été rapporté dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mois ne peut être en deçà de 29 jours. Et lorsque le mois de Shawwal entre de façon légiférée, c'est-à-dire lorsque le croissant lunaire du mois de Shawwal est vu, alors que les musulmans n'ont jeûné que 28 jours, alors que les musulmans n'ont jeûné que 28 jours. Cela signifie que les musulmans n'ont pas jeûné le premier jour de Ramadan. Vous avez compris ou pas? Cela signifie que les musulmans n'ont pas jeûné le premier jour de Ramadan. فَعَلَيْهِمْ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ 28 يَوْمًا وإنما الشهر 29 يوما أو 30. Si le croissant lunaire de Shawwal est vu, et donc que cette nuit-là est la première nuit de Shawwal, donc que le Ramadan est terminé, alors que les musulmans n'ont jeûné que 28 jours, cela signifie qu'ils n'ont pas jeûné le premier jour de Ramadan. Ils doivent donc le rattraper, car un mois lunaire ne peut être constitué de moins de 29 jours. Soit c'est un mois de 29 jours, soit c'est un mois de 30 jours. ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟ Quel est le jugement du jeûne pour celui qui ne savait pas, qui ne connaissait pas l'entrée du Ramadan qu'après que l'aube soit apparue et il n'a eu connaissance de cela, il ne s'est levé qu'après l'apparition de l'aube à cause du sommeil ou autre? Cheikh Ibn Baz rahimahullah répond, celui qui n'a pas connaissance de l'entrée du Ramadan qu'après l'apparition de l'aube, il doit s'abstenir de tous les annulatifs du jeûne, à savoir boire, manger et avoir des rapports intimes avec son épouse. Il doit s'abstenir durant tout le reste du mois de ce jour de Ramadan. Et il devra rattraper ce jour. Pourquoi ? لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. Car il n'a pas eu l'intention de faire le jeûne avant l'apparition de l'aube. Et ceci fait partie des conditions d'avoir l'intention de jeûner, le jeûne obligatoire. Ici en l'occurrence, le jeûne de Ramadan. Et est-ce que tu dois avoir l'intention avant chaque jour ou est-ce que lorsque tu as l'intention le premier jour, cela suffit? Lorsque tu as cette intention de jeûner la veille du premier jour, eh bien cela vaut pour l'ensemble du mois du Ramadan. Mais pour celui qui n'a eu connaissance de l'entrée du Ramadan qu'après le Fajr, il n'a pas pu avoir l'intention d'accomplir le Ramadan avant la prière du Fajr et devra donc rattraper ce jour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan avant le Fajr, point de jeûne pour lui. Et c'est l'avis d'un grand nombre de juristes.
Quant au jeûne surérogatoire, il est autorisé de le commencer en pleine journée. Si la personne n'a pas commis d'acte annulatif du jeûne. Autrement dit, je te réveille un jour, tu as tes habitudes, sauf que ce jour-là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu et tu n'as pas eu de rapport avec ton épouse. Après la prière de Dhuhr, tu décides de faire le jeûne surérogatoire. Ici, tu as le droit. Tu as le droit, et le fait d'avoir l'intention la veille n'est pas une condition, car cela concerne le jeûne obligatoire et non le jeûne surérogatoire. Une autre question posée à la Lajna Da'ima, au comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Une femme qui a atteint l'âge de 12 ans ou de 13 ans, et qui n'a pas jeûné le mois du Ramadan, a-t-elle commis un péché ? Ou sa famille sont-ils fautifs ? Doit-elle jeûner ? Et si elle n'a pas jeûné, que doit-elle faire ? La réponse, la femme est responsable, mouqal la fah, lorsque des conditions sont réunies, ou lorsque des conditions sont présentes. Al-Islam ou al-Aql ou al-Bulour. L'islam, la raison, est d'atteindre l'âge de la puberté. Comment définir et quels sont les signes qui permettent de considérer une personne comme étant responsable et pubère pour la femme, ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ 15 عاما. Et la puberté est établie pour une femme lorsqu'elle a ses menstrues, ou lorsqu'elle fait un rêve érotique, ou lorsque poussent des poils rigides autour de sa partie intime, notamment la région du pubis, ou lorsqu'elle atteint l'âge de 15 ans. Si aucun des signes précédents n'apparaît, lorsqu'elle atteint l'âge de 15 ans, elle est considérée comme pubère. Et cela est valable également pour les garçons. Lorsqu'il éjacule ou lorsqu'ils ont des poils du pubis qui poussent, des poils rigides, ou lorsqu'ils atteignent l'âge de 15 ans, ce sont alors des hommes qui sont responsables et qui se doivent de s'acquitter de tous les devoirs en islam. Concernant donc cette fille, si ces conditions sont réunies, alors le jeûne est pour elle obligatoire et elle doit rattraper tous les jours de jeûne qu'elle a délaissé au moment où elle était responsable. Et si l'une de ces conditions n'est pas réunie, n'est pas présente, فَلَيْسَتْ مُكَلَّفَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. Elle n'est donc plus responsable, elle n'est donc pas responsable et elle n'a donc rien à faire. Ibtuliya shakhsun bi shurbi al-khamri حتى أنه ليشربها في ليالي رمضان فما حكم صيامه نهارا ما دام يشرب الخمر في الليل. Un homme
qui est prouvé par la consommation du vin, au point de boire du vin même le soir du Ramadan. Quel est le jugement de son jeûne la journée, sachant qu'il boit du vin le soir? La réponse de la Lajna Da'ima: le fait de boire du vin fait partie des plus grands péchés. Allah Azza wa Jal dit: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Ô vous qui avez cru, le vin, jeu de hasard, l'ansab et l'azlam sont des souillures qui font partie des actes du diable. Abstenez-vous-en. Le fait donc de boire du vin pendant le Ramadan est interdit. De boire du vin pendant et en dehors du Ramadan est interdit. Et le fait de boire du vin pendant le Ramadan est d'autant plus interdit. Celui donc qui boit de l'alcool ou du vin pendant le Ramadan se doit de se repentir à Allah Azza wa Jal et de regretter ce qu'il a commis comme crime et avoir la conviction de ne plus recommencer. Quant au jeûne de celui qui boit du vin et de l'alcool la nuit, son jeûne est authentique. Son jeûne est valide tant qu'il s'abstient de boire, de manger et qu'il s'abstient de commettre tous les autres annulatifs du jeûne. Ceci de l'apparition de l'aube, min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shamsi bi niyyati as-sawm. Ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention du jeûne. Ma hukm as-sawm man akala aw shariba shakkan fi tulu' al-fajr aw ghurub ash-shams afiduna ma'jurin. Quel est le jugement du jeûne de celui qui a mangé et bu en doutant de l'apparition de l'aube ou en doutant du coucher du soleil? Répondez-nous, qu'Allah vous récompense. La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah: celui qui mange ou boit en ayant un doute sur l'apparition de l'aube, est-elle apparue ou non, il n'a rien à faire. Et son jeûne est authentique et valide. لأن الأصل بقاء الليل. Car la base, c'est que la nuit est présente. Jusqu'à la preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est l'apparition de l'aube. Celui donc qui doute si l'aube est apparue ou non, et qu'il mange en conséquence, eh bien son jeûne est valide. Car la base, c'est que il fait nuit jusqu'à la preuve du contraire. وَالْمَشْرُوعُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاوَلَ السَّحُورِ قَبْلَ وَقْتِ الشَّكِ احْتِيَاطًا لِدِينِهِ وَحِرْصًا عَلَى كَمَالِ صِيَامِهِ. Et ce qui est légiféré aux croyants, c'est de prendre son sahour avant cette heure douteuse. Ce qu'il y a de mieux, c'est de prendre son sahur après ce moment, avant Afwan, ce moment de doute, ceci afin de préserver sa religion et de faire un jeûne complet et parfait. Donc il y a la fatwa et il y a la taqwa. La fatwa, c'est que son jeûne est valide. La taqwa, c'est que le mieux pour lui, c'est de s'abstenir de manger avant que n'intervienne ce laps de temps douteux. Amma man akala aw shariba shakkan fi ghurubi ash-shams faqad akhta'a wa 'alayhi al-qada. Quant à celui qui a mangé ou bu en ayant un doute sur le coucher du soleil, quant à lui, il a fait une erreur et il doit rattraper son jeûne.
لأن الأصل بقاء النهار car la base c'est qu'il fait jour. ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس. أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس. Il est interdit aux musulmans de rompre son jeûne sauf après s'être rassuré que le soleil s'est bien couché ou qu'il ait la forte suspicion, que le soleil se soit couché. Quant à celui qui doute, il n'a pas le droit de rompre son jeûne en se basant sur ce doute, à savoir que le soleil se soit couché, car là-bas, c'est qu'il fait jour. ما حكم بلع اللعاب للصائم؟ Quel est le jugement d'avaler sa salive pour le jeûneur? La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. اللعاب لا يضر الصوم. La salive ne porte pas préjudice au jeûne. فإن بلع فلا بأس وإن بسق فلا بأس. S'il avale sa salive, il n'y a pas de mal. S'il crache sa salive, il n'y a pas de mal. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف ويقال لها النخاعة وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس فهذا يجب على الرجل والمرأة بسقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. كنت النخامة qui est cette substance comment la traduire Naam, c'est des glaires. Naam. Les glaires Naam. Qui est cette matière gluante, d'accord, qui sort de la poitrine ou du nez. Autrement dit, le glaire, pour donner la définition. Quant aux glaires qui peuvent sortir de la poitrine, des voies respiratoires ou des voies nasales en passant par la bouche, cela, ce glaire, il est obligatoire à l'homme et à la femme de l'extraire et de le cracher et de ne pas l'avaler. Quant à la salive ordinaire, il n'y a pas de mal à l'avaler et cela n'a pas d'influence sur le jeûne et ce jugement est valable pour les hommes comme pour les femmes. وإذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد فهل يفسد صومه؟ Lorsque le jeûneur se lave la bouche pendant ses ablutions, al-madmada, ou lorsqu'il fait al-istinshaq, qui est le fait de se laver les narines en y insérant de l'eau, et que de l'eau traverse sa gorge sans le vouloir, est-ce que cela annule son jeûne? La réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, lorsque le jeûneur rince sa bouche, fait la madmada, ou rince son nez en faisant l'istinshaq, et que de l'eau entre dans son corps par la gorge, cela ne rompt pas son jeûne, car il n'a pas fait cela de façon volontaire. Et Allah Azza wa Jal dit « وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ » Mais ce qui est pris en compte, c'est ce que vous avez
décidé délibérément de faire. هل يجوز للصائم أن يستعلم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟ Est-il autorisé au jeûneur d'utiliser du dentifrice tout en étant jeûneur la journée du Ramadan? La réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il n'y a pas de mal à cela. Tout en prenant la précaution de ne rien avaler de ce dentifrice. De la même façon qu'il est légiféré d'utiliser le siwak pour le jeûneur, au début de la journée comme à la fin de la journée. Certains savants sont de l'avis que cela est détestable d'utiliser le siwak, mais c'est un avis faible, marjouh, والصواب عدم الكراهة. Et l'avis le plus prépondérant et la vérité est que l'utilisation du siwak n'est pas déconseillée pour le jeûneur, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit de façon générale: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le siwak, c'est une purification pour la bouche et c'est une satisfaction pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ Quel est le jugement pour le jeûneur d'utiliser des parfums la journée du Ramadan? La réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'y a pas de mal à utiliser du parfum pendant la journée du Ramadan. وَأَنْ يَسْتَنْشِقَهَا, et de sentir ce parfum, de le mettre et de le renifler. إِلَّا الْبَخُورُ لَا يَسْتَنْشِقَهُ لِأَنَّ لَهُ جُرْمٌ يَصِلُ إِلَى الْمَعِدَ وَهُوَ الدُّخَانُ. Sauf le bakhour, qui est cette substance que l'on lance en âme, que l'on brûle pour parfumer. Il est autorisé d'utiliser l'encens pendant la journée du Ramadan, mais il n'est pas autorisé d'inhaler la fumée. Car cette fumée a une certaine épaisseur, une certaine lourdeur, et elle atteint l'estomac. Concernant les piqûres et les injections médicamenteuse pendant la journée du Ramadan, ont-elles un effet sur le jeûne? La réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah: les injections médicamenteuses sont de deux sortes. Il y a celles dont le but est de nourrir le corps, de telle sorte que le corps n'ait plus besoin ni de boire ni de manger. Ceci, cette injection, a le sens de boire et de manger.
car elle procure au corps ce que la nourriture et la boisson lui donnent. Ainsi, ces formes d'injection annulent le jeûne. Hamukallah. Amma al-qism al-thani, quant à la deuxième catégorie, ce sont les injections qui ne nourrissent pas. Elles ne sont donc pas assimilées à de la boisson et de la nourriture. Et ni dans les faits, ni dans les conséquences. Est-ce qu'une injection est appelée nourriture et boisson ? Oui ou non ? Non, c'est une injection. Si elle n'a pas le sens également, c'est-à-dire qu'elle ne procure pas au corps ce que la boisson et la nourriture procurent au corps. Ainsi donc, les injections qui ne nourrissent pas le corps, la base est que cela n'annule pas le jeûne, que le jeûne est obligatoire, que le jeûne est valide à Afwan. Quel est le jugement de se laver la journée du Ramadan plus d'une fois, ou de rester ou de s'asseoir à proximité d'une climatisation tout au long de la journée? La réponse, que cela est autorisé. La réponse de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, inna dhalika ja'iz. Wa innahu la ba'sa bih. Et il n'y a aucun mal à faire cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, versait de l'eau sur sa tête de par la chaleur ou de par la soif alors qu'il était jeûneur, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Abdullah ibn Umar mouillait ses vêtements alors qu'il était en état de jeûne. Il mouillait ses vêtements afin de diminuer l'effet de la grande chaleur sur son corps et également afin de diminuer la soif. Et quant à l'humidité qui est présente dans ce milieu climatisé, est-ce que cette humidité qu'il y a dans l'atmosphère a un impact sur le jeûne ? On peut se poser la question ou pas ? Il y a tout le temps de l'humidité, mais quand c'est dans un endroit frais, le taux d'humidité est plus élevé. Ce taux d'humidité élevé a-t-il un impact sur le jeûne ? La réponse de Cheikh Al-Uthaymin, وَالرُّطُوبَةُ لَا تُؤَثِّرُ. L'humidité n'a pas d'impact, car ce n'est pas de l'eau qui atteint l'estomac. Car ce n'est pas de l'eau qui atteint l'estomac. مَا هُوَ ضَابِطُ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنَ الْجَسَدِ الْمُفْسِدِ لِلصَّوْمِ. Concernant le sang qui sort du corps, à partir de quel moment annule-t-il le jeûne et de quelle façon il l'annule? La réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, Ad-damu al-mufsidu lis-sawm. هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. Le sang qui annule le jeûne est le sang qui sort pendant la hijama, pendant la saignée. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: a rompu le jeûne al-hajim ou al-mahjoum, celui qui fait la hijama et celui
sur qui la hijama est pratiquée. Était assimilé à l'hijama tout ce qui a le même sens. Lorsque l'être humain fait couler de son sang de façon volontaire et qu'une grande quantité de sang sort de son corps, يؤثر على البدن ضعفا au point d'affaiblir le corps, فإنه يفسد الصوم, alors cela annule le jeûne. كالحجامة, comme la saignée. لأن الشريعة لا تفرق بين شيئين متماثلين, car la législation musulmane ne fait pas de différence entre deux choses semblables. كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفارقين المفترقين. De même que la religion musulmane ne rassemble pas deux choses différentes. Et ici, celui qui a fait la hijama est celui qui extrait de son sang en grande quantité au point d'affaiblir son corps. Ce sont deux choses qui sont similaires. Et deux choses qui sont similaires ont le même jugement. أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير. Quant à celui dont le sang sort de son corps, بغير قصد, de façon involontaire, comme celui par exemple qui se coupe la main en coupant de la viande, ou comme celui qui marche sur un bout de verre, ou autre situation. Dans ce cas, son jeûne n'est pas annulé. وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ, même si une grande quantité de sang sort de son corps. وَلَوْ خَرَجَ دَمٌ يَسِيرٌ لَا يُؤَثِّرُ كَتَأْثِيرِ الْحِجَامَةِ كَالدَّمِ الَّذِي يُؤْخَذُ لِلتَّحْلِيلِ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ أَيْضًا. Donc il y a deux cas. Lorsqu'une grande quantité de sang est extraite de façon volontaire, que ce soit une hijama ou que ce ne soit pas une hijama, le jeûne est annulé. Lorsque le sang coule de façon involontaire, suite à une cause involontaire qui n'est pas voulue, qui n'est pas délibérée, alors le jeûne n'est pas invalide, le jeûne est valide, que la quantité de sang qui sortent soit petite ou grande. Et il y a le troisième cas que cite Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, la petite quantité de sang. La petite quantité de sang n'influe pas comme al-hijama, comme la saignée. Et Cheikh Al-Uthaymeen donne l'exemple des prises de sang. Lorsque tu fais une prise de sang la journée du Ramadan, est-ce que cela annule ton jeûne ou non? La réponse est non. Même si c'est volontaire, mais c'est une quantité qui est faible. Et donc, cela n'annule pas le jeûne. Le fait d'embrasser son épouse en état de jeûne. Lorsqu'un jeune ou une personne âgée embrasse son épouse tout en étant jeûneur, a-t-il commis un mal? La réponse de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, le jeûneur, lorsqu'il embrasse son épouse, qu'il soit jeune ou vieux, n'a pas commis de péché.
La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, selon Omar ibn Abi Salamah. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayuqabbilu as-sa'im, est-ce que le jeûneur embrasse, c'est-à-dire son épouse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sal hadhihi, demande à un tel ou à une telle, demande à cette femme, ya'ni Ummu Salamah. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. Elle lui a informé que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait ainsi. Qu'il embrassait ses épouses صلى الله عليه وسلم en état de jeûne. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ô envoyé d'Allah, mais quant à toi, tes péchés passés et futurs sont pardonnés par Allah. Autrement dit, tu peux te permettre de le faire. Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre, Ama wallahi, inni la atqakum lillahi wa akhshakum lah. Par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah et qui a le plus peur de lui. Autrement dit, ne pensez pas que c'est parce qu'Allah azawajal m'a pardonné les péchés passés et futurs que je n'ai fait pas preuve de piété vis-à-vis de mon Seigneur, et que je ne le crains pas et que je ne le redoute pas. Au contraire, malgré cela, je suis parmi vous celui qui a le plus de piété vis-à-vis d'Allah Azzawajal et celui qui le craint le plus. Le jugement d'avoir un rapport avec son épouse pendant la journée du Ramadan. Quel est le jugement de celui qui est tombé dans l'interdit pendant le mois du Ramadan? Lorsqu'il est en état de jeûne et le soir, et quelle est l'expiation? La réponse de la Lajna Da'ima. Celui qui a un rapport avec son épouse pendant le mois du Ramadan, si cela a lieu la nuit, entre le coucher du soleil et l'apparition de l'aube, il n'y a pas de mal. Par contre, s'il a eu un rapport avec elle la journée, entre l'apparition de l'aube et le coucher du soleil, tout en étant un jeûneur responsable, mukallafun bihi, il a commis un péché et il a désobéi à Allah et à son envoyé. Et il doit rattraper et faire l'expiation. Quelle est l'expiation? Affranchir un esclave. S'il ne peut pas, s'il n'a pas en sa possession d'esclave, il doit alors jeûner 2 mois consécutifs. Jour après jour, sans avoir de rupture et de pause. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ. Et s'il ne peut pas, il doit alors nourrir 60 pauvres et devra donner à chaque pauvre la moitié d'un sa' de la nourriture principale des gens de son pays. Lorsqu'un homme un rapport avec son épouse, la journée du Ramadan, alors qu'il a forcé son épouse. وَقَدْ أَجْبَرَ الزَّوْجَةَ عَلَى ذَلِكَ. Sachant qu'ils n'ont pas la possibilité d'affranchir un esclave, ni de jeûner, leur suffit-il de nourrir des pauvres et quelle est cette quantité? La réponse de Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah. Si un homme force
et oblige sa femme à avoir un rapport avec elle pendant la journée du Ramadan, alors que les deux sont jeûneurs, فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة. Le jeûne de la femme est valide et elle n'a aucune expiation à faire. Quant à l'homme, il devra faire l'expiation de par ce qu'il a fait si cela a eu lieu pendant la journée du Ramadan. Et l'expiation est d'affranchir un esclave s'il ne peut pas de jeûner 2 mois consécutifs et s'il ne peut pas de nourrir 60 pauvres, comme cela est rapporté dans le Sahih de Bukhari et Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et il devra également rattraper ce jeûne. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, après la lecture de ces quelques questions relatives au jeûne. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres réponses, beaucoup d'autres chose à connaître, mais le temps ne nous permet pas de continuer plus. Demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous cette œuvre et de faire en sorte que notre science religieuse augmente. Et Allah Azza wa Jal nous enjoint à lui demander subhanahu wa ta'ala de nous donner plus de science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi la science. Et les savants ont dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à ce que son serviteur lui demande de lui ajouter une chose supplémentaire si ce n'est la science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Demandons à Allah Azza wa Jal d'augmenter notre science et que cette science soit suivi d'actes pieux et vertueux. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de préserver l'ensemble des musulmans et des musulmanes de tout mal. Wa nasallallahu Azza wa Jal an yansura dinah wa an yu'liya kalimatah wa an yahfadha al-islam wa al-muslimin. Demandons à Allah Azza wa Jal de préserver sa religion et de préserver les musulmans et musulmanes de tout mal. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Vous remercie de l'accueil et de votre générosité, de votre écoute attentive, en demandant à Allah Azza wa Jal d'inscrire cela dans la balance de chacun et chacune de nous, et que cela nous soit profitable le jour où nous rencontrerons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.